Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect sur PC. La dernière fois on s'est arrêté en ayant fait la surface de Féroz, et on va tout de suite faire les tunnels de Féroz pour faire les quêtes annexes. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez le fond parce que moi oui. Donc à propos du let's play de The Witcher, donc peut-être que je le reprendrai, mais ça prendra un petit peu de temps pour retourner au point où j'étais. Parce que ça m'a un peu dégoûté la perte de mes sauvegardes. Enfin, la corruption de mes sauvegardes, on va dire, parce que quand j'allais sur chaque n'importe quelle sauvegarde, j'y allais dessus, mais j'avais plus de vie, quoi. Donc c'était assez chiant. J'y rejouerai sûrement plus tard quand j'aurai envie de le faire. Cette valve semble faire partie d'un ensemble. Il doit y en avoir d'autres activés. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo, mais bon, on va y reprendre un peu le rythme. Normalement, j'espère que le son est bon, que l'image est bien, etc. Normalement, ouais, d'accord. Attendez, oui. Alors, rien par ici. Ah si, quelque chose par là. C'est pour accéder au tronçon effondré. On ira juste après, on va déjà aller tout au fond pour aller au transmetteur gate. Donc, après, bien entendu, le let's play de Mass Effect, il y aura Mass Effect 2. Hein, mais ça ne change pas au fait que je ferai, n'empêche, The Witcher 3 et The Witcher 2. Je le ferai quand même. Juste pas un personnage déjà fait, on va dire. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez parler bien. Oui, je sais, c'est pas français. Oula. Voilà. Non, c'est pas fini. Voilà. Ouais, donc j'espère que vous m'entendez bien et tout. Et que ce let's play vous plaît toujours autant. Tout prendre. Voilà. Putain, j'ai appuyé sur R. Alors, voyons voir où en est la quête. C'était une quête annexe, mais c'est pas grave. On va déjà tout valider avant de pouvoir revenir. Comment ça, c'est pas fini? Il y a quelque chose juste là. Quel bordel ici! Ces colons n'ont presque rien, mais ils s'approcheront de tout. Ouais. Des accumulateurs manquants. Ouais. On doit retourner voir Feidan, d'accord. Ça se semblant de foyer. On y retourne juste après avoir fait le reste de la zone. Donc normalement, si vous faites pas les quêtes annexes, ce sera plus dur ici, hein, à ce moment-là. Mais comme j'ai fait exactement toutes les quêtes annexes disponibles pour le moment, bah voilà quoi. Il peut rien faire. On va quand même aller voir ce qu'il y a là-bas. On va changer d'arme. Voilà, on reprend le fusil à pompe. Il n'y a l'air de rien avoir ici, donc ça sert à rien de revenir en arrière. Ah, il y a quelqu'un ici. Et Yann Newstead. On est à la fin de la zone. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Un bon conseil, n'allez pas par là. Qu'est-ce que vous faites ici? Rien de bien. C'est tout ce que je peux dire. Je l'ai senti passer, celle-là. Bien essayé. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Le maître fouette l'esclave, c'est tout. Ça me rappelle que je suis toujours en vie. Vous êtes là pour les guettes, c'est ça? Vous n'êtes pas la seule à vous y intéresser. Qui d'autre s'intéresse aux guettes? Ils ne s'y intéressent pas. Ils veulent les détruire. Ils sont une épine dans le flanc du...
Ils essayent d'atteindre le... Ah ! Laissons-le. Il n'a plus toute sa tête. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous voulez de l'aide ? De l'aide ? Non. Non. Personne ne peut rien pour moi. Mais je préfère mourir en luttant jusqu'au bout. En luttant contre quoi ? Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai l'impression d'être tombé dans un buisson de ronces. Plus je me débats... Ah ! Trop tard. Voilà de la compagnie. Demandez à Faidan. Parlez-lui et... Ah ! Attention ! Attention ! Attention ! Non ! Pas question ! Je refuse ! Ok. Voilà. J'ai l'impression que les bruits sont un peu trop forts. Je vais essayer de baisser ça dans le bruitage. Voilà. Bon, ça a l'air de rien changer, c'est pas grave. Je suis maître de moi. Je suis maître. D'accord. Est-ce que ça rajoute une nouvelle quête ? Ou alors est-ce que ça fait partie d'une quête principale ? Non, ça n'a pas l'air. Prenir Faidan, localiser le mal alpha, activer toutes les valves. Je suis maître de moi. Je suis maître de moi. On va utiliser un petit heal pour soigner Garus et nous un petit peu également. Et une de plus. Ça n'a pas l'air d'avoir suffi. Il va falloir continuer les recherches. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir là-bas. Moi j'en ai pas l'impression. Je sais pas pourquoi ça fait ce petit bug de sursaut. Ah, le Varenne. Enfin, les Varennes. Oh, c'est assez grand. Oh, d'accord. C'est juste pour le Varenne Alpha ici. Le voilà d'ailleurs. Nice. Niveau supérieur et journal, hein. Viande de Varenne. On va faire un peu le tour de la zone. Hein. Au cas où il y aurait des objets ramassés. Voilà, des accumulateurs. Est-ce qu'il y en a d'autres au moins ? Non, il y en a plus d'autres. Je n'ai pas l'air de pouvoir y aller. Donc il me reste quoi à faire ? Est-ce que pour les valves, je les ai tous ? Non, je les ai pas encore toutes, il me manque une. Hein. Donc la dernière valve, j'ai pas dû la voir. On va quand même refaire le tour. Hein. Les seront plus là-bas, je l'ai peut-être pas vu. Hein. Il y a la deuxième valve qui est ici. La troisième qui est sûrement plus loin. Ouais, donc comme je demande dans la plupart de mes vidéos, n'hésitez pas à me donner des idées de let's play. Hein. Il y a tellement de jeux à faire que je ne sais pas quoi faire. C'est tout simplement pour ça. Ici, je repars là, Yann Newstead. Ah ! Ce sera bientôt fini. Adieu la douleur. Adieu. Non. D'accord. Il nous fait crépiter. Je refuse. Donc j'espère quand même que la vidéo est agréable à l'œil, hein, que même si je bouge ma souris assez vite, que ça ne vous dérange pas, que ça ne vous donne pas mal à la tête. Ce sera la pire des choses. Non, elle n'est pas ici. Elle est peut-être de l'autre côté en fait, tout simplement. Donc voilà, on a déjà fait les quêtes annexes, c'est déjà bien. Il nous reste juste à trouver la dernière valve et c'est bon. Après, on pourra partir dans les cartes, la quête principale de Féroce. Féroce ou Pharos déjà ? Féroce. Attendez.
Ah oui, là-bas. Le transmetteur guette. On va quand même y refaire un tour. On sait jamais si j'y ai loupé une valve. Hein. Parce que ça, j'avais pas vu que c'était ça les valves en fait. C'est ça le problème. Hein. Comme ça fait depuis à peu près une semaine que j'ai pas joué à Mass Effect. Et que j'ai pas retrouvé vraiment le temps pour recommencer les vidéos. Donc là, je vais déjà ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vais faire le plein de vidéos de Mass Effect, on va dire. On va le finir, allez, dans une dizaine de vidéos, une quinzaine de vidéos, il devrait être fini. Et après ça, je sais pas. Si j'avais une 3DS capture, j'aurais pu faire Majora's Mask et Monster Hunter 4 sur 3DS. Que je vais prendre, bien entendu. Ah non, celui-là, j'avais déjà activé. Prendre notre fusil là. Ouais, donc j'ai pas de 3DS capture board, sinon j'aurais pu vous filmer les deux jeux que j'ai dit précédemment. Mais j'essaierai quand même de vous redonner mon ressenti dans les vidéos. Ah, elle est là, d'accord. Donc journal, faut que je remonte, c'est ça. Et voilà, le système est opérationnel. Nous avons amélioré la qualité de vie, on va dire. Donc voyons si ça fait un résultat ou si c'est juste des quêtes comme ça. Donc je sais pas si vous avez entendu parler du jeu Life is Strange qui est sorti depuis une semaine enfin sur Steam, qui est un jeu du style, on va dire, point and click fait par les mêmes personnes de... Qu'ils ont fait, je crois que c'est ceux qui ont fait Telltale Game, je ne suis pas sûr. Mais c'est un excellent jeu dans lequel nous incarnons une collégienne qui voyage dans le temps. Et j'ai franchement bien adoré le premier épisode, il y en a 5 en tout. Et donc voilà, il reste. Les autres ils sortiront petit à petit, le prochain sort en mars. Donc si jamais vous le voyez pour pas trop cher, c'est un bon jeu. Commandant, que puis-je faire pour vous ? Certains colons se comportent bizarrement. Nous en avons déjà parlé, commandant. Chargez-vous des guettes. Moi, je me charge des colons. J'ai détruit un transmetteur guette dans les tunnels. Un problème de régler. Merci, commandant. Nous avons une dette envers vous. Vous m'avez soulagé d'un grand poids. Si seulement je pouvais en dire autant de tous nos problèmes. Je peux faire quelque chose pour votre problème. Macha Doyle essaie de régler le problème. Si vous avez des sujets... Attendez, ça, normalement, il n'y a rien dans tout ça. Kevin Reynolds est chargé. Il n'y a rien dans Bien tout sûr, ça. Commandant. Voilà. Est-ce que je peux te parler, ma petite Arkelia? Vous avez fait beaucoup pour nous, commandant. Mais n'allez pas croire que vous m'impressionnez. Encore? Elle a pas grand-chose à dire. De différent, je veux dire. Oh, attendez. Pourquoi il y a un point d'interrogation ici? Feidan. On va y faire un tour juste après. Commandant, je peux vous aider? Je dois y aller. Je vous en prie, mettez un terme à ces attaques. Je ferai tout mon possible, mon cher. Rebonjour, commandant. J'ai tué le gros Varen. Je vous laisse vous charger des autres. Formidable. J'organiserai une battue dès que les guettes ne constitueront plus une menace immédiate. Je dois y aller. Tenez, prenez ceci. Alors, ok. D'autres quêtes se trouvent juste ici. Beau boulot. Par contre, sans accu, on n'est pas tiré d'affaire. J'ai trouvé ces accumulateurs. Je pensais bien qu'on finirait par les trouver. Bon. Merci. Oh, là, j'ai Maintenant, beaucoup d'argent. J'ai plus qu'à me démerder pour brancher ces accus et la colonie aura de l'énergie. L'eau a été rétablie. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des guettes. Tenez, quelques crédits pour vous dédommager. Merci, commandant. On va reparler un peu à tout le monde. Ce qu'il faudrait. Je vais essayer de... Donc normalement j'ai validé toutes les quêtes, oui, sauf une. Non, ça c'est la quête principale aussi, je suis bête. Normalement j'ai validé toutes les quêtes. Hein. Tant que leur poste de commandement est intact, ils représentent une menace permanente pour la colonie. Donc je vais reparler un peu à tout le monde. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit? On m'a demandé... Montrez-moi. Avec plaisir. Alors qu'avez-vous à vendre? Normalement j'ai tout ce qu'il y a de meilleur pour moi. Même si celui-ci a l'air assez intéressant.
Non, je garde le mien. Il y a que des fusils, non merci. Donc je vais quand même voir s'ils ont quelque chose à dire en refaisant rapidement les dialogues. Montrez-moi ce que vous avez envie. Putain, je suis trompé. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit? On m'a demandé de mettre tous mes produits. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur... Je n'aurais jamais pensé dire ça. Allez plutôt poser la question à Faida. Je n'aurais jamais pensé dire ça. Pardon, mais... Bon nombre de mes clients n'ont pas sur... Hein? Au bout d'un moment, j'ai comme qui dirait... Les humains n'utilisent en général qu'un... Nous sommes nommés en fonction... Au revoir et bonne chance. D'accord. Donc je faisais juste les relire les dialogues pour voir s'ils avaient quelque chose de nouveau à dire ou à donner. Pas le temps de parler. C'est... Tôt ou tard, ils vont le reconstruire. Mais ils n'ont pas l'air. Je vais quand même reparler à Faidan en faisant tous les dialogues. Sinon, on pourra descendre... Enfin, on pourra aller au complexe exogénie. Et continuer notre aventure. Vous avez fait beaucoup pour nous, commandant. Mais n'allez pas croire que vous me... Je ne peux rien vous dire là. Je n'ai jamais été préparé. Et vous n'êtes ici que pour... Ça casse un peu le mythe du pionnier, hein, commandant? Allez, mon cher. Commandant, que puis-je faire pour vous? Certains colons... Nous en avons déjà parlé, commandant. Ah, les hommes d'ombre. Chargez-vous des guets, vous des guets. On a croisé un homme qui vit dans les tunnels. C'est l'un des vôtres? Ce doit être Yann. Oui, il est très malade. Malade? Le mot est faible. Il n'est plus le même depuis l'attaque. Nous avons essayé de l'aider, mais il refusait de nous écouter. Je ne peux aider les gens contre leur volonté, commandant. Vous avez des médicaments, non? Vous pourriez le soigner? Ce n'est pas si simple. Yann était un brave homme, et si je pouvais le ramener à nous, je le ferais. Je vous en prie, commandant. Parlons d'autre chose. D'accord, donc il n'y a plus rien à dire, là. Bonne chance, commandant. Normalement, il n'y a plus rien à dire sur cette personne. À moins que j'ai une quête... Non, j'ai pas de quête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au complexe exogénie, pardon. En prenant l'ascenseur. Et nous nous arrêterons dans une dizaine de minutes, on va dire. Pour du 30 minutes par vidéo, je pense que c'est un format assez correct. Vous me direz si vous préférez du 30 ou du 20 minutes par vidéo. Ça me permettra de faire mon avis. As-tu quelque chose à nous dire, toi? Non. Prenons notre véhicule. Pourquoi il est en feu? Ah non, c'est derrière qui est en feu. C'est parti. Le dernier groupe est parti vers le sud. Que cherche-t-il? Je capte un signal. Le brouillage des guettes m'empêche de le localiser. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un par ici. Voilà. Quelque chose dans l'inventaire? Ouais. Des modes. Là, 3 millions de pièces quand même, c'est chaud d'en avoir autant. Ça recommence, commandant. Mais je n'arrive toujours pas à le localiser. Vous voyez quelque chose? Lisbeth est peut-être toujours là-dedans. Ça ne fait que quelques jours. C'est ma fille. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il te faudra. Il y a encore des gens, mais un peu plus loin. Juste ici. Non. Il y en a juste derrière. Il faut que je vise un peu plus précisément. Comme ça. Il y a l'air de plus en avoir. Non, flûte, qu'est-ce que je suis bloqué sur quoi là? Un mur invisible. Qu'est-ce que ce point montre? Je comprends pas. Bizarre. Ouais, très bizarre. Ah, je suis déjà au bout. Bon, bah voilà quoi, c'était un petit chemin. Chose. Une sorte de véhicule. Mais
je suis arrivé. S'ils peuvent nous voir, c'est qu'ils sont tout proches. Nous devons avant tout nous occuper des guettes. Je ne sais pas où aller, on va attendre, on va déjà faire le passage qui est juste en dessous. On va sortir de véhicule avec la touche A. Garde exogénie, nous sommes au complexe. Stop! Restez où vous êtes. Calmez-vous, Jong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des guettes. Reculez, Juliana. Qu'êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Commandant Shepard, je suis là pour m'occuper des guettes. Vous voyez? Vous êtes trop méfiant. Et vous passez, Juliana. Moi, je suis soulagée de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète. Faïdan et quelques autres colons de Zeus Hope sont toujours en vie. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Ils sont toujours en vie, mais les guettes les ont mis dans un sale état. Oui, ces saloperies synthétiques sont impitoyables. Je vais faire tout mon possible pour vous protéger, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Un peu plus? Comment ça? Ne l'écoutez pas. Les guettes sont dans le complexe exogénie, un peu plus loin le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer les guettes. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant, une dernière chose. Ma fille, Lisbeth, elle a disparu. Ne leur faites pas perdre de temps. Nous pourrons compter nos morts une fois les guettes éliminées. C'est de ma fille qu'il s'agit. Elle est toujours en vie, j'en suis sûre. Juliana, où se trouve votre fille? Elle travaillait dans le complexe exogénie au moment de l'attaque. Absolument. Il y a au moins deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Comment avez-vous été séparés de la colonie de Zeus Hope? Nous vivions presque tous près du complexe. L'attaque des guettes nous a éparpillés. Jusqu'à votre... Si nous l'avions su plus tôt, nous aurions sans doute essayé de les rejoindre. Vous pouvez encore le faire. Vous serez plus en sécurité là-bas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous n'avons pas de véhicule et l'autoroute... Parce que ce bâtiment est une forteresse imprenable. Mieux, c'est de rester ici et d'attendre les renforts. Ils finiront bien par arriver. Ça je l'avais déjà dit. Si nous l'avions su plus tôt, nous aurions sans Qu'est-ce qui a bien pu pousser les guettes à attaquer? Je n'en ai pas la moindre idée. Exogénie nous l'a répété assez souvent. Il n'y a rien de personnel. Nous devons juste rentrer dans nos fonds. Parlez-moi de la... Ça fait 4 ans qu'elle existe. La plupart de nos problèmes viennent du manque de ressources. Et pourtant, on ne veut pas abandonner. On commençait à se sentir... Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'espérais pouvoir prendre un nouveau départ. Au lieu de ça, mes projets se sont effondrés en même temps que la colonie. Juliana... Quelque part à l'intérieur du complexe exogénie. Le complexe exogénie. Nous avons remodelé ce bâtiment pour en faire le quartier général d'exogénie sur cette planète. Exogénie s'y connaît pour remodeler tout. Exogénie doit générer des bénéfices, Juliana. Et de ce point Restez de vue... ici jusqu'à... D'accord. Et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille... Vous auriez 2 minutes à m'accorder? Ne le prenez pas mal, mais je n'ai pas... Je comprends. Je dois récupérer des données. Rien de bien compliqué, mais ça peut vous rapporter. Ça m'a l'air un peu trop facile. Il n'y a pas de piège. C'est un boulot dangereux. Franchement, j'ai parfois l'impression que les gens pensent qu'on aime le danger. Non, ne vous en faites pas. Il suffit de trouver ma console dans le complexe exogénie et de télécharger les plans dans ce DSO, vous voyez? C'est tout ça. Je m'en occuperai dès... C'est parfait, merci. Ces données sont vraiment... Enfin, bien sûr, la colonie passe avant tout. Pourquoi êtes-vous installé ici, au milieu de nulle part? Pourtant, vous avez du talent. Disons que j'ai l'âme d'un pionnier et que je n'aime pas trop l'idée de me retrouver entre 4 murs. Un bon indépendant, c'est un indépendant qui ne se fait pas remarquer. Dites-moi un peu plus sur ces données que vous voulez récupérer. Ce sont des plans pour des prototypes de mode. Je suis un indépendant. Je vais devoir... N'oubliez pas notre petit marché. Ils ont pulvérisé... Je parle un peu à tout le monde pour voir. Là. Rien. J'espère que vous allez nous sortir de ce foutoir. Je vais faire de mon mieux, mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle Medem. Une faveur. À propos, je me dois de vous informer que la société ne pourra en aucun cas être tenue responsable. Vous n'êtes pas très doué sur le plan social. J'aime les gens. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de l'aspect financier, non? Et il ne reste vous plus n'êtes loin. Pas très en plus. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de l'aspect financier, non? Parlez-moi un peu d'exogénie. Exogénie Corp est le moteur de la colonisation dans le nouvel environnement. Nos intérêts majeurs conjugués à nos activités d'exploration constituent une solide base. Quels sont
Il existe de nombreuses autres branches industrielles, mais elles n'ont pas grand-chose à voir avec Firoz. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous, Jong. Sur moi? Eh bien, je suis venu sur Firoz effectuer. Comme tout le monde, j'ai été surpris par... Vivement que la maison mère envoie quelqu'un pour me faire sortir de ce trou. Est-ce que vous pas savez la moindre. Pourquoi? Cette planète est un... Il n'y a rien ici qui vaille la peine de se battre. Tout juste de quoi entretenir une colonie. Et en... Surtout, prenez bien garde à ne pas endommager le complexe. L'équipement qui s'y trouve est hors de prix. Oh là là, j'y crois pas. Un vrai radin. Alors, la quête attaque des guettes. On doit se rendre au complexe exogénie. Ok. Enquête, ouais, on doit récupérer les données dans notre DSO. Et bien, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous arrêter là pour cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout à s'abonner à la chaîne. C'était The Dead pour la Gentleman HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo!